Voice of Congo.net, news on real time. Remercier Voice of Congo na sala sali pour na biso donc na sorti na biso liboso donc mona ki ndenga annonce ki message na batnyo sotu ndenga bayaki. Merci vraiment. Bien, ce qui te remercie les combattants bosani Voice of Congo, c'est que tu bosani histoire. Donc histoire na biso yebani na communauté congolaise pe na monde, premièrement pour la effort Voice of Congo sa biso. Merci de besio longue vie te souhaiter. Merci, te remercier pour tout nyonso, mais te beau sanité Voice of Congo is number one. Merci pour la Voice of Congo, na musalo sali pour na biso. Merci, na remercier encore une fois plus pour la Voice of Congo. En tout cas, coup de chapeau na musalo na bino au sali pour banda premier procès na biso. En tout cas, coup de chapeau na Voice of Congo. Vous avez un poste d'information pour combattre, vous avez un poste pour combattre, quand on a un peu de temps, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Pourquoi Voice of Congo? Ils ont internet, ils ont des CDs, ils allent partout. Ceux qui vraiment les gens informer, parce que quand on a Voice of Congo, ils ont des bongo. Voice of Congo, qui toque, qui toque au Makas. Plaisir à trop, au Makas, au Pena Esprit Nabiso. Merci à trop na Voice of Congo. Restez tous branchés sur Voice of Congo. La mer. Bonjour une fois de plus à tous les abonnés de The Voice of Congo. Moi c'est Eric Boukoula et je viens en direct de Johannesburg. Et à la caméra c'est Pichuka Lala, le guerrier de la presse congolaise. Une petite histoire avant que je ne commence. Il y a à peu près 2 ans, si je peux le dire ainsi, le 4 février 2013, dans une ferme de Modimolé, quelque part en Afrique du Sud, la nation sud-africaine, l'État sud-africain, a annoncé avoir arrêté une vingtaine, plus précisément 19 Congolais qui supposément voulaient détrôner, si je peux le dire ainsi, le président de la RDC, Joseph Kabila. C'était le 4 février, comme je l'ai dit, 2013, et aujourd'hui, près de 18 mois après, ces Congolais ne sont plus en prison, certains d'entre eux ne sont plus en prison. Et depuis qu'ils sont sortis, c'est la première fois peut-être que vous, les abonnés de Voice of Congo, auront la chance de les voir. Alors, je répète encore, moi, c'est beaucoup là. Et à ma gauche, j'ai un d'entre eux. Je répète, ils étaient 19 le 4 février. Et quelques jours plus tard, ils étaient devenus 20, plus Étienne Kabila, qui avait été arrêté, qui était à Cape Town et qui s'était rendu, je peux le dire ainsi, à la police et qui avait été aussi arrêté. Ça faisait 20. Et moins d'un mois passé, 15 parmi eux ont été libérés, 16 plus Étienne Kabila. Et je suis avec eux ici. Alors bonjour. Bonjour, merci. L'invitation que vous avez présentée, comme on a eu, et plus, on sait, on va se reconnaître Bino, numéro Nabino d'accusé, sauf que ça, comme on a eu, et puis votre numéro d'accusé, la caisse où il y a tentative de coup d'état contre lui. Merci beaucoup pour cette J'étais accusé parce que je ne suis plus accusé. J'étais accusé numéro 13. Je réponds au nom de David Bakaji Kamouye. Ok, c'est David Bakaji Kamouye de ce côté. Et de l'autre côté, Eza, c'est pour ça que nous avons fait ce numéro, ex-numéro d'accusé dans ce numéro. Merci beaucoup de l'opportunité. J'étais accusé 16. Accusé 16. Oui. Mon nom c'est Moussa Sachibang. Voilà, ça c'est Moussa Sachibango. Alors, et Bakajika, ils étaient au nombre de 20, comme je l'ai dit, et 16 parmi eux ont été libérés. Parmi les 16, 15 sont, je vais dire un peu, comme le procès a été, les accusations ont été retirées contre eux. Et le seul, Étienne Kabila, lui, il a un peu, comme je dirais, en liberté provisoire, je vais dire ainsi. Alors, on va essayer un peu d'entendre de la raison pour laquelle. C'est parce que Tozo Lingato Yuka, un peu leur version des faits, depuis que Bazaki en prison, Yuka qui était évité, en fait, qu'est-ce qui s'était passé selon eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu là-bas, pourquoi on les a arrêtés, Yuka qu'on les avait arrêtés avec des armes, ce qui avait été démenti plus tard en plein procès, après qu'il avait été révélé qu'en fait, les armes avec lesquelles Bakaraki Bango, ce sont des armes qui avaient été amenées par la police sud-africaine ou peut-être ceux qui étaient en train de leur. De les piéger. Alors je ne dirai pas plus, Ndeko. Alors ça fait moins d'un mois, 2 semaines, je me rappelle bien, que Bobigny déjà. Il y a presque
passé 3 semaines. Alors, depuis que vous avez mis le monde, il y a eu une autre version de la vidéo qui a fait. Pourquoi Bokanga Maki? Jusqu'alors, on ne connaît pas la raison pour laquelle nous avons été arrêtés. Okay. Cette main noire demeure encore dans l'obscurité. Mais selon ce qu'elle disait, qu'elle nous avait trouvé dans la bouche après de s'entraîner, c'était prouvé à la côte au tribunal que c'était une fausse accusation. C'était une fausse accusation qu'on planissait un coup d'État contre Joseph Kabila, ce qui était loin de moi. Au moins, si vous me permettez de vous donner l'historique, comment la chose est. S'il vous plaît, je suis sûr que c'est ça vraiment que les centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo sont en train d'attendre. C'est ça qu'ils veulent entendre parler. Ils veulent vraiment écouter votre version des faits. Ce que nous connaissons sur la chose, c'est quoi? C'est au début du mois de janvier, parce que je suis étudiant à l'FBI, donc Falcon Business Institute, qui est situé sur Small Street, Small Street, et non loin de mon institut, il y a la maison de la cuisine numéro 4, qui était mon ami. Quand je suis arrivé ici en 2008, en Afrique d'ici, j'habitais Uber sur l'avenue Euro Street, c'est là où j'habitais. Et la cuisine numéro 4 avait son salon de coiffure. La cuisine numéro 4, c'est Adrien Kilele. Son salon de coiffure était tout juste au coin, diagonale avec la police, la station de la police. C'est là où presque tous les Congolais du temps venaient se faire coiffer. Et c'est là, c'est à partir de là qu'on s'est connu avec lui. Et après, un moment, il a quitté Uber, il habitait maintenant la ville. Et non loin, parce qu'il était sur Nugget, c'est 4 avenues après notre institut. Et moi, comme je ne suis plus en Afrique d'ici, en Jobek, en Johannesburg, j'habite maintenant dans les périphéries, okay. À Springs. Des fois, quand on termine, vous avez la ville étudiante, après le cours, vous pouvez aller quelque part manger ou prendre un peu de l'eau fraîche. Souvent, je le fais quand je quitte l'école, je pars chez un ami. Et au début du mois de janvier 2013, après le cours, je faisais un petit tour. Et je suis allé chez Chantal, comme il m'avait donné le nom, et on s'était vu. Il m'a dit, non, maintenant je suis tout près de votre institut. Ah, là, et je vais passer. Je suis passé par chez lui. Et c'est par là qu'on s'est vu. Il m'a parlé de la chose. Il a parlé de la chose. Quelle chose? Vous savez qu'ici en Afrique d'ici, le travail c'est très difficile. Oui. Et le plus souvent, les petits jobs qu'on trouve ici, les salaires c'est entre 2000, ça commence par 1600, 2000 rand. C'est-à-dire 160 dollars pour manger. Non, mais 160 dollars, 180 et 2000 et 200 dollars. Et quand on s'est vu avec lui, il m'avait dit, oh mon frère, tu étudies, tu n'as plus besoin de travailler. Non, j'en ai besoin, vous savez, je suis parent, j'ai des enfants. Et je suis buté par des problèmes financiers aussi pour financer mes études. Non, il y a une opportunité de travail. Dans peu de temps, tu auras quand même quelque chose de consistant. Et quelle était cette opportunité? Il m'a dit qu'il y a un travail de sécurité. C'est un peu comme une garde. Il y a une garde. Yeah, okay. Et c'est ce qu'on fait ici. C'est le travail des Congolais ici en Afrique du Sud. Et je lui ai demandé. Donc, vous avez proposé de devenir gardien. Gardien quelque part. Okay. Je lui ai demandé le salaire, c'est combien? C'est 2500 dollars. C'était au-delà de mon attendement, 2500 dollars pour le faire par mois. Et le travail devait nous prendre. 250 ou 2500? 2500 dollars par mois. Waouh, ça, c'est une grande somme d'argent. Mm. C'est 25 000 rentes. Normalement, okay. Ça devait nous prendre 2 mois. Parce que l'Afrique du Sud a un problème. Mm-hmm. Le problème de poaching. Okay, c'est le braconnage, comme on le dit. Braconnage. Mm-hmm. Maintenant, ils font des propagandes, ils recrutent les gens pour la protection des rhinos. Mm-hmm. Et on est au courant de la chose. Et quand il m'a parlé de ça, on cherche les gardiens. Donc, il fallait que vous deveniez gardien pour la lutte contre le braconnage des rhinocéros. C'était ça. Mm-hmm. Et il m'a dit, on cherche aussi les gens. Quand il m'a dit qu'on cherche les gens, il m'a dit, quand est-ce que ça commence? Il dit, au plus tard, le 4 février. Donc, vous allez passer, premièrement, 2 mois de formation. Après 2 mois de formation, vous aurez votre 5000 dollars. Et ceux qui seront qualifiés, ils auront la chance de signer les contrats pour travailler. Maintenant, pour l'entraînement seulement, la proposition, c'était 2500 dollars. Et vous imaginez, maintenant, si on vous emploie, et que ça pouvait être plus,
Donc en fait, ce que vous essayez de nous dire, c'est que pour vous, ce que vous avez attiré pour, vers ce travail, c'était plus que c'est le montant. C'était un peu 2 500 $, c'est une grande somme d'argent, il faut l'admettre. Ce sont des directeurs qui sont payés comme ça, et même des députés qui reçoivent ce genre de montant en RDC. Et c'est comme ça que vous avez été attiré par l'offre s'avérait être juste la lutte contre le braconnage des rhinocéros. Il n'y avait rien d'autre que ça. Mm-hmm. Il n'y avait rien d'autre que ça. Vous imaginez si je fais l'ingénieur. Et des gardiens à prisonniers, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Des gardiens à prisonniers, quand je les quatre, le premier quand il m'a parlé de ça, j'ai appelé mon ami ici, Moussa Sa. Parce qu'on s'est connus depuis longtemps. Quand j'étais ici à Johannesburg, c'est lui qui était aussi proche. Je l'ai informé, j'ai dit il y a une opportunité de travail. Parce que c'est aussi sécurité. Il y a une opportunité de travail avec un bon salaire. Ce n'est pas encore salaire, mais c'est une motivation qu'on va donner à ceux qui vont participer à la formation. Donc, il s'avère qu'après la formation, il y aura un bon salaire. Et je l'ai informé. Et c'est alors qu'il a appelé aussi les autres. Et moi, je l'ai appelé parce que lui, il était mon voisin. Il était mon voisin, Félix Bassila. Ok, c'est l'accusé numéro 11. Yeah, il est okay. Mon voisin. Okay. Et je l'ai aussi informé parce qu'il travaillait chez Taga. Sécurité de ses papis. Ses papis, il habite là à Springs. Streka Security. C'est une société congolaise ici, de sécurité. J'ai appelé aussi Moussa Sa. Moussa Sa, il est allé appeler les autres. Selon ce que Chatrier nous avait dit. Et le 4 février 2013, nous sommes tous rendus au taxi ring. Au terminus de taxi. Et il faudra comprendre encore les abonnés de votre communauté ici en Afrique du Sud que ça nous arrive à tous d'introduire un peu de mots en anglais. Ben, ça arrive encore. C'est qu'il parlait du terminus en fait. Yeah. Terminus de taxi. À partir de là, nous avons pris le public pass. Et le transport. Yeah. Mm-hmm. De MTN jusqu'au restaurant Midrange. C'est un restaurant à Midrand, quelque part ici, pas trop loin du centre-ville de Johannesburg. C'est un Maxi Food. C'est une chaîne de restaurants, Maxi Food. Et quand nous y sommes rendus, au Maxi Restaurant, nous avons vu ces gens. Et là, on est le 4 février. Le 4 février. 2013. Nous avons vu simplement l'homme qui nous avait appelé, Chatlac, Adrien Kilele. Okay. Il était là. Mm-hmm. Il est venu nous recevoir. Et il nous a introduit à ces gens-là. Ce sont des blancs. Ils étaient au nombre de 6. Et quand nous les avons vus, l'impression nous avait déjà attiré, confirmé, c'est que Adrien Kilele nous avait dit. Il cherche les travailleurs. Parce qu'ils étaient habillés en tenue de sécurité. Et la tenue là avait aussi une mention anti-poche. Ah, donc lui, il vous avait été présenté comme le propriétaire en fait. Il y a les propriétaires, les patrons de la société. Okay. Et ils étaient venus avec 3 minibus. Mm-hmm. Même le minibus avait des stickers. De marque, c'était marqué. Il y a marqué anti-poaching. Anti-poaching campagne. Anti-poaching. Okay. Et ils nous ont pris à partir du restaurant. Donc c'est-à-dire, en version vraie, nous étions arrêtés les 4. Parce qu'à partir du 4, nous étions déjà à leur merci. Mm-hmm. Et ils nous ont pris de là, ils nous ont embarqués dans leur véhicule. Du Marty Restaurant jusqu'à Wimpy. Mm-hmm. Quand nous sommes arrivés, nous avons roulé après 2 heures du temps, deux nous sommes stoppés temps. Quelque part à Wimpy pour nous offrir à manger. Parce qu'on avait quitté le marché. Mm-hmm. Là, la direction, c'était évidemment la ferme. On ne connaissait même pas la direction. Ce n'est que lorsqu'on nous a arrêtés qu'on a appris, qu'on nous apprendra que vous êtes à Wimpy. Mais on ne connaissait pas la direction. Donc vous avez été, on vous avait amené jusqu'au moment où. On continuera avec vous, on veut juste aussi avoir un peu l'impression. Je vous rappelle encore, si vous venez de nous joindre juste tout de suite là, on est avec les 19, ils étaient 20 peu venus, mais seulement 16 ont été libérés, ont retrouvé leur liberté. Et si j'ai un bon groupe d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, et qui ont finalement décidé de se livrer à la presse, et c'est un peu de donner peut-être une
version de fait. En fait, et comme vous, vous venez de l'entendre, on pensait plus qu'ils avaient été arrêtés. Les 5, mais il s'avère que ce n'était pas les 5, qu'en fait, c'était déjà entre les mains de la police depuis le 4 février 2013. Et la destination, leur destination, ils ne le savaient pas. Pour eux, ils allaient pour un nouveau emploi, quelque part, dans une ferme où il fallait lutter contre le braconnage. Alors de l'autre côté, j'ai aussi, comme il s'est présenté, c'est le monsieur Moussa qui est aussi l'un des accusés. Alors monsieur Moussa, quelle est votre version des faits? Ezala Kinderinini, est-ce que vous en avez l'homme ya mormu baleto pour Baksana ou Yundego à Zoloba? Il y a quoi ajouter? Il y a quoi ajouter tout ou il y a eu? Parce que ils ont dossier moko, dossier moko, la même accusation. Dengue, la fondation. Donc, on y a fait un lobby au confinement qui est bon, qui est bon, il va écouter ici quand vous êtes. C'est ça, parce que là, on dossier moko, bientôt, va bien là, ça a écrit samedi, samedi les 3, les 2, le 2 février. Samedi, le 2 février 2013. Et là, le lundi, le 4, on dit, photocoutana, va au ami Bengi, bon, à boss. Alors, oui, c'était un peu ça, Bozo, quand on a essayé un peu de dire sur les faits. On se rappelle que Bango Balobi, c'est le 2 février que Bazaki peut-être contacté par Moutou pour voir qu'il y a des places. Mais on se rappelle que selon par procureur, selon le procès, c'est depuis septembre de l'année 2012 que Babano l'année là-bas, il paraît que peut-être il y avait des espions comme ça qui étaient en train d'essayer de dénicher des gens qui étaient supposés essayer d'arrêter, de faire un coup d'état contre le président Kabila. Alors, ils ont procès Zamoulaï, le procès n'est pas encore fini, c'est comme ça que peut-être Tokine n'a plus de détails. Et si vous a connecté la Voice of Congo pour relancer la dossier en haut, et bien sûr, mes frères ici reviendront pour vous dire beaucoup plus sur les locaux en haut. Mais ici, juste, Touroningato, depuis l'arrestation d'Abango le 5 février 2013, qui sorti d'Abango, ça ne fait que 2 semaines passées. C'est en fait en fin novembre 2014 que Babimi. Tant on a mis son prison, Isaki commence à être Isaki enfer. Parce que ce qu'on a eu comme rapport, il y a même des attaques contre Bino dans Katia prison. C'était comment tant la Bino prison? Certainement, je faisais partie des gens qui étaient torturés. Vous avez été torturé? J'ai été torturé. Je faisais partie des gens qui étaient torturés. La raison pour laquelle j'ai été soumis aux tortures, c'est parce que quand on maltraitait mes frères, premièrement, en prison, c'est moi qui prêchais. En Aoko, vous êtes un pasteur. Je suis pasteur. Au Congo, je suis pasteur au sein de l'église Mélite. Et je suis professeur assistant à l'institution supérieure théologique de l'Église. Mon voyage en Afrique ici, c'était pour faire les doctorats. Et là, en prison, j'ai prêché. Et quand on torturait les gens, étant donné que le manager de la prison, c'est une chrétienne, j'ai essayé de la ramener sur base de la Bible. Et à la fin des comptes, il me dira que toi, tu parles beaucoup. Vous pouvez être un peu plus précis, torture, quel genre de torture avez-vous subi? Premièrement, la première torture, nous étions enfermés dans un espace de 2 mètres carrés pendant 19 mois. 23. Pendant 22 mois. Non, il y a pendant 22 mois. Pendant 22 mois. Donc, on nous donnait, au début, nous avons passé 10 jours. On ne voyait pas le soleil, nous étions privés du soleil, nous étions privés de l'exercice. Nous étions privés de faune et de tous les droits qu'on donne aux prisonniers. C'est comme ça avec tous les autres prisonniers, c'était seulement... Non, c'était un traitement spécial pour nous. Et on ne vous avait pas dit pourquoi on vous donnait ce traitement spécial. Mais je vous dis que cette histoire, il y a une main noire qui reste encore dans l'obscurité, on ne connaît pas qui est derrière tout ça. Ceux qui la cause auraient pas Ndeko Moussa, moi, Mouké, Ndeko Moussa, il y a Zolobaki, vous êtes enfermé, du 10 premiers jours, au Moniata, Mouité. Est-ce que ça n'a l'air au ça sur traitement d'Abino en pleine prison? La prison, c'était torture. C'est une torture parce que il faut qu'il investigue. Après qu'il y a une instruction dans la prison, il y a un soldat
toi soldat bien formé, toi formation militaire, toi soldat, et puis il y a une prison, parce que tu as l'image que nous sommes des militaires, tu vois. Il y a un groupe qui a gardé le bisou, en tout cas 23 heures du temps dans la selle. Je peux dire 6 heures. Et ça, on pourra le confirmer aussi, parce que si on voit la façon dont ils étaient escortés, même juste pour venir à la cour, ils étaient enchaînés et il y avait une forte présence militaire avec des veines qui étaient utilisées plus à l'époque de l'apartheid et tout ça. C'était vraiment un peu comme une protection digne des terroristes, si je peux dire ainsi. Biosaki maltraité et puis blessé même. Blessé. Vous avez ma cour, c'est-à-dire qu'on a attaqué ou prisonnier les tuyaux ou peut-être. Non, pas de prisonniers. Ce qu'il dit là, c'est vrai, mais dans des prisons, nous avons trouvé les gens qui étaient plus dangereux que nous. Nous, on n'était pas dangereux parce que la loi sud-africaine nous reconnaissait encore innocents jusqu'à ce que. C'est comme ça ici. Jusqu'à ce que. Juste à ce qu'on vous êtes. On va vous reconnaître. On va vous reconnaître coupable. Et en plus là, on n'avait pas commis un crime en Afrique du Sud. Mm-hmm. On n'avait pas notre criminel record. Et c'est là qui est pris. C'était pris. Yes. Nous avons été torturés. On subissait des tortures auprès des gardiens de la prison. Par ordre de l'investigateur. L'enquêteur. Mais c'est l'enquêteur. Il les avait ordonné de nous torturer chaque jour. On subissait des tortures morales, des tortures physiques même. Et ce sont des tortures physiques qui nous ont même amené, tu sais, d'aller même dans des hôpitaux. Il y a l'un d'entre nous, Jacob Mapimo, qui était hospitalisé pendant plus d'un mois. Et sa tension, c'était toujours 24, 24, 24. Alors, on ne prendra pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que, évidemment, comme on l'a dit, le procès est encore en cours. On ne veut pas donner des informations, peut-être dire quelque chose qui pourra essayer un peu de changer la cour des choses. Il y a encore 4 détenus là-bas. De l'accusé numéro 1, qui était un Américain, monsieur, un Congolais naturalisé américain. Il y a les 2 qui l'aient et il y a un 3e accusé. Donc, c'est l'accusé 1, 2, 3, 4 qui sont encore détenus là-bas. L'accusé numéro 20, qui est Étienne Kabila, lui est en liberté provisoire. Et les 15 autres, dont les 2 avec qui je suis, ils ont été libérés, si je peux le dire ainsi. Le dossier a été retiré contre eux. Alors, je ne sais pas, depuis que Boubimi, comme je l'avais dit, c'est la première fois que Congolais Balanabine dans le monde. Est-ce que vous avez un message, mon corps, beaucoup coupé sa parole pour l'instant, parce qu'on reviendra avec vous plus dans les autres qu'il y a, plus dessus ils ont avancé. S'il y a un mot à dire, pour la bateau, un millier de personnes, on va nous donner un message d'encouragement pour la bino, ou on va nous coller la M sous sous pour la bino, on va dire qu'on prie pour la bino. Est-ce qu'il y a un message à dire dans le bandanaïo, on est comme ça? Un message, merci beaucoup à la communauté congolaise, tous les Congolais, partout, diaspora, partout, Canada, France, Europe, pour soutenir Bino, vous savez, pour la Bisso, pour soutenir moral, physique, spirituel, pour soutenir Bisso, pour tout sauter, pour tout together. En tout cas, toujours, tous les Bakiri Congolais, toujours unis. Merci beaucoup, on va Congolais. Congolais, tu seras toujours unis, un message. J'ai un message, parce que j'ai aussi un message des frères qui m'a dit de transmettre au problème. Okay. Il y a pour le James Kazongo, il m'a dit. James Kazongo, c'est l'accusé numéro 1. L'accusé numéro 1. Le Congolais naturalisé américain. C'est américain. Il m'a dit qu'il regrette parce que son gouvernement ne le soutient pas. Il regrette parce que le gouvernement américain. Le gouvernement, il ne reçoit pas totalement le soutien qu'il mérite comme américain. Il se sent abandonné par son gouvernement parce qu'il ne sait pas si c'est parce qu'il est noir ou quoi, mais il regrette beaucoup parce que le gouvernement américain. Il donne la chance à la justice sud-africaine, ignorant que ça c'est la justice africaine et que l'Afrique c'est la base de la corruption. Nous étions arrêtés d'une manière illégale, avec une fausse accusation. Ils étaient au courant de la chose depuis le début, que c'était une fausse accusation. Ils nous ont gardés pendant presque 2 ans pour nous reconnaître innocents après nous avoir torturés, abusés et maltraités. Vous comprenez? Et une telle chose. Et si le gouvernement américain continue toujours à croire que leur frère, leur mère aura une bonne justice, qu'il oublie. Ça, c'est l'Afrique. Qu'il fasse quelque chose pour leur mère, pour leur homme. Ça, c'est le message de James Kazongo. Gouvernement américain. Et pour la communauté congolaise, je tiens à remercier. Et c'est grâce à Dieu et grâce à vos efforts qu'aujourd'hui nous sommes dehors. Il disait que c'était un problème politique, il faut laisser, on va le résoudre d'une manière politique. Non, ça nécessitait l'argent. C'est parce que vous avez donné l'argent, c'est alors que nous sommes dehors. Parce que l'avocat exigeait l'argent pour qu'il nous défende. En tout cas, je tiens à remercier particulièrement le général Ngando, mon frère Boketchou,
et les autres, et surtout Ilunga, qui a fait preuve d'amour, de patriotisme. Il a laissé l'Europe, il est venu me voir en prison. Je l'ai vu pleurer avec des larmes et il m'avait touché. Voir un homme comme lui pleurer pour nous, il m'avait touché. Il me disait, je l'ai demandé, pourquoi tu pleures? Il m'avait dit que je pleure parce que je vois les innocentes âmes souffrir comme ça. En tout cas, ça m'avait touché. Et je remercie le Seigneur pour le combat. Ça a émis le Congo. Le projet de balkaniser le Congo a échoué parce que maintenant, je ne sais pas si tu es de l'Équateur ou de Bandundu, on voit seulement les Congolais. Et j'ai béni les Congolais pour cette unité. Et je vous demande aussi de soutenir ceux qui sont restés en prison. On continue à demander, ils ont besoin de 12 000 dollars pour payer leur liberté pour vous. Si vous pouvez le faire, ça sera encore une bonne chose. Parce que alors en même temps, un appel est lancé bien sûr à tous les Congolais de la diaspora, ceux qui veulent bien soutenir ceux qui sont encore en prison. On dit qu'il vient de dire qu'il faut 12 000 dollars pour leur liberté provisoire. Je vous rappelle encore, il y a 4 accusés qui sont encore retenus là-bas. Alors moi c'était Eric Boukoula et j'étais avec, comme je l'ai dit, les 20 Congolais, ils sont maintenant célèbres, hein, sont les 20 Congolais qui avaient été arrêtés pour tentative de coup d'état contre combien de lignes comme ça, des titres comme ça, d'articles avaient été écrits, tant d'encre qui avait coulé, tant de salive qui avait coulé pour ces personnes. Aujourd'hui ils sont libres à part les 4. Alors c'était Eric Boukoula et à la caméra c'était Pichouka, là, le guerrier de la presse congolaise. Et merci à The Voice of Congo, François Tchipouki. Les abonnés de Voice of Congo, les centaines de milliers des abonnés de Voice of the Congo. Comme je vous l'ai dit, il y avait plus de 20 accusés, 20 prévenus. 16 parmi eux ont éprouvé leur liberté. 16, c'est un grand nombre. C'est pourquoi dans notre plateau avec Pichu Kalala, on ne peut pas les avoir tous assis sur le même lieu. C'est ainsi que j'ai certains d'entre eux aussi, certains qui ont aussi été torturés. Rappelez-vous qu'ils ont parlé de la torture, ils ont été torturés en pleine prison. Alors j'ai un d'entre eux, un déco, une impression que vous pouvez s'embrouiller dans le monde. Communauté congolaise, mais on se partout dans le monde, dans le combat, tout le monde, dans le Congo, partout, dans le monde. Alors, tu sais, nous sommes plus à Congo, il y a des numéros, il y a des tensions, il y a des ex, parce que nous avons un amour ici. Congo, on a eu beaucoup plus de Congo, il y a général Boutou Boutou, Congo, on a eu James Jacob Mabima, Nazalaki, accusé numéro 12. Oui. Accusé numéro 12, James Mabima. Alors, pour ceux qui suivaient bien le procès, on va venir pour la narration sur les Voice of Congo. Rappelez-vous qu'on avait une fois dit qu'il y avait un accusé qui ne se présentait pas là-bas au tribunal pour des raisons de soins médicaux. Il y avait une ou deux fois, je crois, le procès devait être reporté parce qu'il n'était pas présent. Et surtout, oui, c'est un peu ça. Alors, c'était l'accusé numéro 12, si vous vous rappelez bien, James Mabima, et c'est lui qui était avec moi. Alors, peut-être il pourra nous dire exactement, absence Nayo, qu'est-ce qui s'était passé? On avait juste entendu que vous avez quitté parce qu'il y avait des problèmes de soins médicaux, mais c'était en fait quoi? C'était quoi le problème? Non, après, Salamaki, dans la prison, disons, d'abord, je n'arrête la prison, déjà, qu'on vit dans la condition inhumaine. Moni, oyo tu vas écouter aussi pour que t'es. L'herbe abuse, ils aient commenté. Pour Lucas qui tout ça effort, pour Lucas pour apporter solution, pour Lucas pour sécuriser, pour bien être. Voilà, condition inhumaine, c'est-à-dire quoi? Disons, Babylone comme nous souvenons d'y accolir, bah autant que c'est la bino maki mi balé, na fufu balambi na mbuma, bah au cas la bino mai ya moto na période hiver na malili, pour finga, pour bêta, pour salifier. Là, niazo bêta. Mais bah garde à prison, ils ont la maman moko, ils ont head à prison. Comme il y a maman Makula, hein? Maman aussi sud-africaine, Azali colonel dans la prison, kuna, ba maman oyo ba linga kaba étranger té, et là ba zwa ki biso na poule na bango ba nyoko la biso, et une fois après on est salama ki les 18 et banaki les 18 juillet ba eko seche ba c'est la 2013 les 10 non 2014 récent ba eko seche ba celle ya ba nyoso ba kodi na celle nga ba moni eloko moko té ba kodi na celle ya voisin na ngai bati kakesa. Brutalité et les cas qui n'a continué à nous séparer parce que pour comment il y a des cas, Nambunanga et Zalakiwana. Pourquoi est-ce qu'elle a défendre Moutou? Donc, nous avons défendu Moutou, il faut qu'on apprenne à se défendre aussi. Le lendemain, il y a le 19, il y a une unité spéciale où il dit qu'il y a des prisonniers détruits. Il y a tout dans la base, il y a 11, il y a un côté dans la base, il y a 4, il y a 9, il y a 8, il y a 9, 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 juste un traitement réservé pour la ville ou c'est tous les autres prisonniers qui sont traités? Non, 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 non
étrangers au bazar dans la prison. Mboka oza réputé na xénophobie, na racisme, na monter mabé, balinga ba étrangeté. Et là bazuyo na maboko na bango. Na place le la prison ne mwana, ne place parce qu'il avantage, hein. Ba bibi ba bibi ba biser à moi, on aura pas si vos nouvelles de Malibanda et nous comment. C'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai que avocat Nayo en avait parlé brièvement, j'avais même parlé avec elle personnellement, elle m'avait donné un peu de détails sur le Kwabongo, mais suite à vous avez dit, est-ce que peut-être que côté Nao on s'est donné peut-être pour tout ça l'accusation Nao contre Bango. Oui, tout ça l'accusation, tu fais une caisse, va tenir une idée beaucoup spéciale Ops et Yaki. Na un capitaine na komo ya tokolo to fomola ki case avec statement malheureusement banda to fomola ki swana dile lo ba pesa biso numéro ya case te dile lo ba pesa biso te quand ça te ko apparaître te dile lo ba ata réception mo de salama na batu ba sala ba acte wana nyoso ya abuse to ti wana nyoso dile lo ata mo côté akangami bon l'ex sorti de tout comme libre c'est à ce moment oyo que tozo continuer na avocat. Madame Joubert, oui, mais sauf que Madame Joubert a été avocat à l'État ou à défendre qui gagne. Bon, et Neti Makambo et Cécile va libérer Bisso, c'était au foot de son bon côté pour continuer. Et le mien à faire, c'est qu'il faut continuer dans cette maintenant à pile, hein, à l'année là. Mais ça y est, pile dernièrement, tout ce là qui est mort, et ça qu'est-ce qu'ils ont continué, ils ont évolué. Moni va procéder une union juridique et ça, la maga va être directement à terre. Ça va prendre le temps, mais justice quand même, et au salon. Alors, est-ce que vous avez un message pour vous couper ça va pour vous? Que pendant que vous allez en prison, vous avez une centaine de milliers de bateaux. Vous avez au sein de la Ponabiso, pour la Pino en fait, Monsieur Soubabano, vous avez inquiet, Baba Mituna, Baba Nolingabaye. Est-ce que vous avez un message, les lots qui ont mis un message pour la Congolais? Premièrement, les Alibas remerciement. Remerciement à moi, à mon qui est mon Congolais Nyonso. Oh, soutenir qui biso financièrement, spirituellement, à ma prière, ma bloc Nyonso, vous savez qui n'est pas prière, n'a bien au balosan, mon abîme des salles qui est tout en prison, les lots. Combat est silité, combat est continué. Combat est aussi la moukolo Congo et Kobonga, moukolo ennemi n'a pas imposté Kanambe à Okene. Mais jusque là, tu continues en haut, dit Nasuka. Merci une fois de plus, tout ça, nous sommes ce soir. Il y a eu un peu de temps, il y a un peu de temps, un mot à dire. Les Congolais, ils inquiets, ils ne savaient pas quoi faire, quoi dire. Les lots, ils sont dehors, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez un message? Nazali parmi Bato Bakangamaki. Nazalaki accusé numéro 14. Nazali parmi Bato Bakangamaki, Nazali accusé numéro 14. Nazali Kumbo ya Alain Manyema, Yoka. En tout cas, nous surtout, je crois, Bandego, on a déjà parlé, Balobi déjà, nous surtout, c'est Mille Bamba. Commentaire, on a Robert Sakaka, Congolais, tous à la Ini, tous à l'ensemble, dans ces pèlerins, il y a Bandego, il y a Poto. Oui, bah, son Bibiso, dans ces pèlerins, il y a le président Emmanuel Ilunga, il y a participé à qui, la contribution, il y a vraiment, il y a Mouné, il y a Pesaki, on a Bisso, et Salaki Bisso, bien d'être tous à la Ini, dans ces pèlerins, il y a Boketu, premier, dans ces pèlerins, Félix Tshisekedi, il y a contribution à Batunyoso, général Ngando, il y a Bandego, selon on a gâté à prison, dans ces pèlerins, vraiment, Mingi, dans ces pèlerins, il y a Pasteur, Nyon, surtout, on a ensemble, il y a Bisso, Bisso, bah, Congolais, on a mis une prière, on a le sambo, on a mis une prière, 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 en tout cas vraiment, on a mis une prière, 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 parce que qui va négocier sur la torture, sur la façon dont Mazaï était en prison, sur comment ils étaient arrêtés. Est-ce que peut-être on a un loco ou pas, il y a peut-être une chose, ou Malobi, ou Yolini peut-être, et y est. Bon, n'avons pas beaucoup acquis ça. Au moni, je pense que disposer en arrière d'Afrique d'ici là, tu y es bien, madame Boyazoune. Même la communauté internationale, bah y est bien loco. On a mettre tout ça dans le CPLP, la communauté internationale, pas de qualité. Lui, ce n'est pas tiens qui parle d'Abisso. Ceux qui a problème, au Ezali, communauté internationale, bah les voyez là directement la prison que je coupe à l'air fara fara. On a volandé là, santé d'Abisso, on a volandé là. Vous avez la présence à Amnesty International, madame. Oui, il y a quoi aux internationales, c'est là qu'il y en a pour la délabisso, souvent on est capable un mois et la bisso, parce qu'on m'a traité venu pour la ligne toujours en dans un rapport. Alors merci une fois de plus, vous aurez toujours de l'oublier encore une fois de plus avec ses frères qui reviendront une fois de plus et ce n'est pas la fin. Il y en a encore qui devront parler. Ils sont nombreux à parler, ils sont nombreux qui est avec eux, ils sont nombreux qui les soutenaient. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à découvrir. Parce qu'on se rappelle, une fois de plus, il n'y a pas de dossier comme ça ici en Afrique du Sud concernant des Congolais qui ont fait aussi la vogue dans l'actualité. C'est le dossier des 20 Congolais arrêtés pour tentative de coup d'État contre le président Joseph Kabila. Alors,
centaine de milliers à Congolais parce que là, donc, sur les Cambouis, un mot à dire peut-être pour venir comme situation. Oui, nous avons un mingue à Golobate, nous avons un mot à la Congolais, nous sommes au monde entier. Et là, on a un mot à la déconnexion, c'est pas le bien, mais nous avons un merci mingue à la communauté congolaise, nous avons un pasteur. Va soutenir et puis on a prison deux ans en prison et ça là qui facilite pour la biso nous avons vraiment à yoki le sang pour la bino bandeko ni on se bande bon de la tine la biso nous avons yoki bino et puis nous avons yoki le sang pour la communauté la biso puis on a prison ton canisse est là qui est au souki non qui est au souka qui était et si comme elle la biso va tout bas dans votre souka qui n'est pas en bandaki nous avons qu'on a bini du banda na yé na moni et fort au communauté la biso sali. Vraiment, le monde est mis vraiment la communauté. Nous sommes même partout en Asie à contribuer. Et ça, c'est un moment qui vraiment dans l'organisation où nous les combattants, y compris dans le général Ngando, nous sommes du premier, le colonel Odombo, le Martin Sali, en tout cas, nous sommes en CPL vraiment, ingeta mingi vraiment, que nous avons eu pour nous faire. Peut-être que les gens qui ont été mis en prison, peut-être dans la prison, mais il y a vraiment tout le monde qui a été mis en prison, et ça, il y a bien ma casse, même dans les cours de la vie, il y a lobby, il y a des gens qui ont été mis en prison, il y a des gens qui ont été mis en prison, et là, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Alors, Boubimi, déjà, pour l'effort, quand on a été mis en prison, mais si, qu'est-ce qui va, et après, c'est-à-dire, vie aux Alandais, n'a pas comme ça l'objet combat aussi la tête. En fait, si vous vivez en Dénie, c'est quoi qui va se passer? Oui, et là, comme on voit, c'est dans les Nabandeko, tous les Namboka Oyo, Mboka Oyo, xénophobie, ça m'a cassé. Tous les insécurités, mon coup Namboka Oyo, et Rosaranate. Et tous les Namukandate, tous les Namboka, d'autant que la gare illégale, Namboka Batu, tous les à l'étranger, et ça passe pour Nabiso. Alors, tous les Senga, n'a droit de l'homme. Bande copino boyebi va porter à droit de l'homme, ma place Bozali, Bamboka Obino Bozali, ceux qui sont précisément en France. Dans le Canada, dans la Suisse, parce que nous avons des droits de l'homme qui travaillent. Ah ouais, les droits de l'homme sont salés, mais ils ont fait pour les animaux qui ont crime, les animaux qui ont xénophobie. Alors, nous avons des abysses. Puis, nous avons des gens qui ont des bandes, des gens qui ont des organisations, pour nous avoir des abysses. Pour nous avoir des abysses. Alors, nous avons des abysses. Nous avons des abysses. Nous avons des abysses. Nous avons des abysses. Alors, ça passe pour l'abysses. Ça passe pour l'abysses. Nous avons des abysses. Nous avons des abysses. Alors, vraiment, bon, vraiment. Alors, vous avez écouté les frères, ce qu'ils ont dit. Ils ont perdu leur job, j'ai perdu en cas leur famille. Ils ont perdu beaucoup pour ces temps d'arrestation, ces mois en prison. Et aujourd'hui, ils ont été déclarés innocents. Qu'est-ce qui va se passer alors? Faudra-t-il que l'État sud-africain les prenne en charge, ou peut-être la communauté internationale, ou peut-être la communauté congolaise de la diaspora? Ce sera à vous de le dire. Commentez sur cette vidéo. Merci une fois de plus encore à toi, Pichu Kalala, et François Chimpouki. Okay, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Naza Kissé numéro 17. Jean-Pierre Oufolobo. Bon, nous sommes en train de lobby et nous avons battu ça qui est une facilité. Effectivement, nous sommes en prison vraiment inhumée. Ils sont vraiment inhumés. Même l'arrestation, nous sommes vraiment des qui non respect à toi de l'homme. En tout cas, nous avons des pour les logos tout ça libérés. Nous avons vraiment un mingi sur la bâtisse. Nous avons dit que nous avons été, nous avons suivi les logos tout ça libérés. Et merci beaucoup à Kassipé, à président Emmanuel Ilunga. Merci beaucoup à général Ngando. Merci vraiment beaucoup à Kassina, les combattants sur la France, Canada, États-Unis, même ici en Afrique du Sud. Merci à Kassipé, merci à passer un épisode sur le Congolais pour nous prier. En tout cas, merci à l'Obéaté. Gloire à Dieu, grande pour mon abisso. Surtout ça, les lois en vie. Ça pour Nzambe. Si vous avez pour Nzambe, mettez-vous sur le monde. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez faire une précision sur Bino Boubimi? C'est vrai, Bino Boubimi, c'est vrai. En fait, peut-être que ça n'a pas encore été le bien voté gouvernement. Bino Boubimi, comment il était provisoire de liberté? Bino Boubimi, Vatikali, pourquoi? Est-ce que, en quelques mots, pour le en fait, selon on a eu le Bézara, tout ça qui est juste, Bissonien sur la 4 à prison 20. La libérée qui cesse actuellement pour ça, le banda et Tien Kabila soit qui était pour soir la fois passée.
parce que qui sont les restes vali bana 4 personnes batikai na prison Kazongo Kilele dès Kilele na Masikini bana na prison raison pénale bako tikali pénale valable on a ko expliquer mon mama o izana n'était parce que même biso moko tous au comprendre tes problèmes. Alors quels sont les espoirs pour kané bat babalo de la bino pour bimalo pour bimi, il y a des gens qui sont bazozé là peut-être pour la bango bako bima espoir eza dit qu'est-ce qui va se passer pour eux? Oui espoir eza li ya ko bima toujours na ba effort toujours tout ça au basala qui toujours pour l'absence tout bima so ba continuer toujours na ba effort wana ba bima na parce que et le résultat na ngote raison batikali na ibsi no que to yebi pété pourquoi batikali alors ceux qui ba effort continuer toujours au salima ba au moment de se la libérer moi na bana merci. Moi je m'appelle Félix Basilo, j'étais l'accusé numéro 11. Feli to wiki to zikine bale musu bazolo ba ne bozaki torturer la katine ou bimi le bimi c'est l'essentiel. Dieu merci on a habité parce que ça les lomo ba kana ko ba ba lobi peut-être sur le plan la katia prison les zikine ni la katia prison ba lobi ango attaque étranger c'est difficile étranger en plus présumé terroriste les zikine dingi ni là qui sont vraiment nous dozaki na prison des alagi vraiment maltraité. Il est maltraité dans la prison, donc il est dans une vie vraiment difficile. Il est vraiment, en tout cas, je ne sais pas comment dirais-je. Il est dans un temps où Monica est dans un temps où il est vraiment des Africains, vraiment mille, vraiment étrangers. Quand on est en prison, on est maltraité de façon dont on a été maltraité. On a déjà été maltraité. À propos d'investir, on a déjà été proposé à la proposition de la terroriste, de militaire, de soldat, de tout le monde, très dangereux. Vraiment, on est vraiment maltraité. Et puis, on est il y avait un tas à côté de la édition. Bien avant sur la TAP Force. C'est des unités spéciales. À côté de la prison, j'étais vraiment, moi-même, j'étais vraiment tabassé. Et pendant que vous avez est-ce que vous avez communiqué avec la famille avec la famille? Bon, avec ma famille, nous avons vraiment la communication à tant de côté de la famille. Nous avons tout le temps là, chaque jour, nous sommes là. Nous avons une communication avec la famille, nous avons une communication avec la famille. Même pas la communication. Vous avez collé là, Canada, il y a Suisse, il y a Grande-Bretagne, il y a Londres, et grand frère Nangaï, Jojo Balongo, je remercie, je soutiens Nabino, je suis à l'initiative à Londres, je soutenir M. Ndeko Nangaï, général Ngando, je soutenir Kout Chapo Mingi, Ndeko Ilunga, je soutiens Ndenge à Longwa qui est Europe, qui a eu la mission à la prison Awa. En tout cas, merci au Dombo, Bino Nyoskuna, remercie Bino, en tout cas, merci beaucoup. VoiceOfCongo.net, news on real time.